Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons jouer à Wing Arms, sorti en 1995-95 sur Sega Saturn, un jeu d'avion comme vous l'aurez compris, avec une cinématique plutôt pas mal, même si bon, elle a extrêmement vieilli, hein. Faut se replacer dans le contexte quand même, 1995. On va tout de suite voir les options. Donc on a les contrôles A ou C boutons, on peut choisir le BGM volume, le SE volume si on veut. On va laisser ça comme ça, c'est pas mal. On va laisser en mono et on va faire Exit. Nickel. On va voir les données, donc ça c'est pour charger le jeu. Et nous sommes tout de suite partis. Alors, on a différents avions au choix, ce qui est pas mal, hein, dès le début. Alors, on a aucune mention de savoir si ils sont bons ou pas bons. Lui il est tout petit, il a l'air mignon. Lui on dirait un zéro japonais, je crois que je vais prendre celui-là, tiens. Le vert, hein. Celui-là est cool, celui-là est beaucoup plus gros aussi. On a un avion d'ailleurs. Je crois que c'est un avion anglais celui-là, américain, ça je sais pas ce que c'est, un américain, japonais, corsair. Moi j'aime bien mon petit mon petit avion, mais je me demande si dans d'autres missions ça peut être un peu compliqué le fait d'avoir un avion aussi petit. Donc écoutez, on va prendre... je sais pas ce qu'on va prendre. Allez, on va prendre celui-là, bon finalement je garde celui-là, c'est parti. Welcome to the Endeavor. The name is Gordon. I'm your captain. Listen up and listen good. There's no room for error. All right, here's what we know. A military force calling itself Avalon declared war 5 days ago. They launched a surprise attack on our allied task force as it lay in anchor and destroyed it. They've invaded the Pacific Resource Belt. You must stop them, and you will. If they take over the Resource Belt, the way is clear for them to take over the world. Objective, neutralize the Avalon force and destroy their main fleet. Operations begin at 0800. All hands prepare for battle. Dismissed. Bon, j'ai pas trop compris ce qu'il a dit, je sens que le jeu est pas très fort. Oula. Et là d'un coup ça le devient. Jolie cinématique d'ailleurs. C'est parti. Alors, détruire tous les avions ennemis. Your orders? Neutralize enemy air group located 200 clicks to the northeast. Intercept and destroy them. Over. Alors, on va baisser un peu le son finalement, qui est un petit peu fort. On va le repasser à 30-35. Donc, il s'agit de détruire tous les avions devant nous. Alors, pour faire une petite explication assez simple. En fait, vous avez donc sur le cockpit, on peut changer de vue. Vous allez voir. Voilà, là je mets avec la gâchette. Je peux faire des petits loops, comme ça. Donc ça c'est la gâchette L et R, enfin LR left ou right, ou gauche et droite. Je peux baisser la vitesse de mon avion, l'augmenter aussi. Je peux voir en bas à droite la vitesse à laquelle je suis, et évidemment la hauteur à laquelle je pilote. On peut voir le nombre de missiles qui restent, il m'en reste 29 par exemple. Et on a en bas, je crois que c'est la jauge de vie. Donc on va reprendre cette vue. Qui est quand même... Voilà, j'ai une vue de derrière, une vue de devant. Qui est quand même la plus pratique pour viser. Là j'ai ralenti mon rythme. Voilà, pour tirer dessus. Alors c'est la première mission, donc du coup ils font pas grand chose, hein. Ils se laissent faire. Et alors, un autre escadron qui arrive. Oh attention, on s'est mangé des avions. Ouais, c'est assez arcade comme jeu. Mais c'est rare de trouver ce genre de jeu avec des avions. Des avions de la Seconde Guerre mondiale. J'ai fait un petit looping, ça ne sert à rien. On va essayer de les récupérer. Et le pourcentage en bas, bah, vous voyez, Achieved. Donc en gros, c'est le pourcentage de. C'est le pourcentage de. Bah, d'avancer de notre mission. Alors on est à la manette Saturn, hein, donc c'est pas. C'est pas spécialement facile. Ah! Ah ouais, j'ai surchauffé mes. J'ai surchauffé ma mitrailleuse. Voilà, on a réussi 57% de la mission. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on est toujours d'habitude, hein, sur 32 bits. Mais. Je trouve le jeu plutôt correct en termes de graphisme, surtout pour 95.
Enfin, franchement, 95 Saturn, c'est la classe quoi. Quand vous compariez au. Oula. Quand vous compariez au jeu 16 bits à ce même moment, genre un Star Fox, je vais trop vite là, j'ai l'impression. Après, je vais ralentir ma cadence. On le sent au niveau du moteur à la cadence, hein. C'est pas tellement visuel. Mais je trouve le jeu plutôt bien réussi. Alors, lui, par contre, à avoir, il est pas évident. Voilà. Et on va le finir. On a fait 67%. On va se rapprocher un petit peu du sol histoire de voir un peu les graphismes. Donc là, on a des petites îles. Bon, on va remonter. Et on a une petite carte. Ah. Faut que je fasse attention. Vous voyez, on a une carte, enfin, une sorte de cercle autour de nous en bas. Et en fait, quand il y a un avion qui est dans la zone rouge, c'est-à-dire derrière nous, et ben on a une alarme qui se déclenche pour nous dire attention, il peut vous tirer dessus. Donc là, je peux être un peu trop rapide. On va essayer de se le remettre devant. Voilà, il est là. Vous voyez, derrière, il y a deux avions. Et ce qui va se passer, c'est que si je reste trop longtemps en mode combat, et en mode combat avec un pilote derrière moi, ben ça va enclencher un mode combat où je vais devoir m'extirper de lui. C'est-à-dire que la caméra va passer en vue un peu de sa vision à lui. Et on va devoir s'extirper de là. Voilà, je me prends les avions en fait, c'est incroyable. Oh là là, on s'est fait toucher. Et oui, on a des traces de balles sur le cockpit. Sur la vitre, mais bon, c'est pas ultra réaliste. Hein. C'est juste pour dire qu'on a été touché. Oui, j'ai la moitié de ma vie quasiment qui est déjà partie. On a 76%. Il y a encore des avions qui arrivent devant nous. On va essayer de les éviter. Voilà. On en a bâti un. Bon, la première mission est assez bidon dans le sens où, bon voilà, on les a toujours derrière nous, donc devant nous. Donc pour les tuer, c'est plus facile. Alors, j'ai pas montré, mais j'ai des roquettes aussi qu'on va pouvoir utiliser. J'ai essayé de prendre un avion devant. Alors, c'est pas facile d'utiliser les roquettes sur une cible en mouvement. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez, c'est pas. Allez, je l'ai touché. C'est pas facile. Ouais, nickel. On s'en est fait un. Vous voyez, sur le radar en bas, le point jaune n'y est plus. Il va réapparaître bientôt. Voilà, il est là. Il est en face de nous. Il va nous rentrer dedans. Non, c'est bon. Donc, du coup, on va se remettre là. On va essayer de le suivre. C'est un peu comme Dieu ce combat, hein. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de différence. La seule différence notable, c'est bien entendu le fait que ce soit la Seconde Guerre mondiale. Eh, je le touche, mais j'achève pas. On a une petite trace noire. On va essayer de prendre la vitesse un peu. 87%. Alors, ce qui est marrant, c'est que le jeu est en kilomètre heure. Alors que normalement, c'est pas tellement cette vitesse-là qu'on utilise. Il me semble que c'est en nœud. Bon, je dis peut-être des bêtises. Ok, on a abattu un avion. Derrière nous, on est encore attaqué. On va se retourner. Je trouve le jeu ultra propre. Sincèrement, les graphismes sur 32, à chaque fois, c'est moyen. Mais là, bon, il n'y a pas trop de détails, mais les détails qui sont représentés sont plutôt corrects, sont plutôt bien faits. Et on a la fameuse flèche qui nous permet de nous aider pour savoir où est l'ennemi. Oh là, il nous a attaqué de front. Et j'ai pas beaucoup de boucliers, hein. Il va repasser sur mon radar. Ouais, les avions sont plutôt bien modélisés devant. Je vais me concentrer quand même. J'aimerais vous montrer la deuxième mission. Qui est une mission un peu plus... Bon, pas forcément plus passionnante. Mais légèrement différente déjà. Voilà, 100% du jeu accompli. Et c'est le même alignement qu'Escombat 2. C'est-à-dire qu'en gros, ou même Air Combat. Si je vais à gauche ou je vais à droite, vous voyez, je fais pas de looping.
Je fais juste, je vais carrément à droite ou à gauche. Y a pas de, c'est pas comme dans le 3 où on fait une sorte de tonneau et puis on remonte le nez pour tourner. Là, c'est vraiment, enfin, c'est plutôt automatique. Donc on a fait le rang de second lieutenant. Je crois que c'est par rapport au temps et par rapport peut-être aux dégâts qu'on a reçus, je sais pas. This is the Endeavor. You guys did a good job. We've learned that the air group was on its way to an Avalon supply base 50 clicks southeast. Your new mission, destroy that base. Et vous voyez, mon shield est pas au maximum. Alors je vais changer de vue. Oups là, je vous ai mis la carte, je voulais changer de vue à la base. Alors vous allez voir, on a des cibles, voilà. On a des petits, des ennemis un peu partout. Voilà. On va essayer de les éliminer au fur et à mesure. Et si on fait ça, on sera un petit peu moins embêté dans notre survol autour de la base. Alors j'ai du mal à savoir si je touche ou pas. Vous voyez que la base elle est ultra bien défendue. Alors le jeu est quand même très pixelisé, vous vous rendez compte. Voilà. Je vais baisser mon rythme pour essayer de les retaper à nouveau. Voilà. Il y en a encore une devant, non? Non, il n'y a rien. Par contre, là, on a une... Je sais pas ce que c'est, on a un truc qui nous balance des boules. Je suis un peu trop bas. Et donc, je vous ai pas montré, effectivement, on a une petite map. Voilà, on peut voir à peu près ce qu'il y a à détruire. Même si elle est pas très lisible, je trouve. J'ai fait un petit tonneau, j'aurais pas dû. Le tonneau, ça nous permet de nous défendre. On va essayer d'utiliser la fonction tonneau, justement, pour attaquer. Alors, on va faire gaffe, vous voyez, on a une... On a des boules qui nous arrivent dessus. Voilà, on a tout cassé. Je fais un peu le tour pour le moment. Non, il n'y a rien d'autre à tuer. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Là, je vais faire ça pour éviter un petit peu les boules qui nous rentrent dessus. Ça marche un petit peu bien, ça marche un petit peu, ça c'est intéressant parce que la première fois que j'ai fait cette mission, aïe aïe aïe, je me suis complètement fait démolir. Au bout de 4 passages, il y avait quasiment tout l'avion qui était démoli. Aïe aïe aïe. Alors bien entendu, plus je détruirai de choses, moi je serai embêté. Bon, au niveau de la vie, on s'en sort pas trop mal, j'ai pas perdu beaucoup. J'ai fait que 5% de la mission, hein. Bon là, j'ai pas réussi à le taper, je pense qu'il faut que j'utilise une roquette. Il m'en reste 40. Ouh là là, j'ai pris un gros truc dans la tronche. Voilà, on a détruit le gros canon, ça c'est bien. Je trouve le jeu plutôt marrant, hein. Franchement, il n'y a rien à envier à ce combat. Alors, je vais pouvoir rechanger de vue si vous voulez. Hop, vue arrière, vue avant. Détruire un pan.
On va se rebaisser à nouveau. Alors vous pouvez voir que l'eau n'est pas animée non plus. Et bizarrement, je préfère quand même cette vue. Même si elle est moins précise, je sais pas, j'ai l'impression. Ah, il y a un truc qui va voir là. L'avion est très maniable, c'est aussi une bonne nouvelle. Le maniement du jeu est quand même vraiment cool. Et là, faut que je détruise ça. Ouh, attendez, ça va arriver devant. J'ai fait 19 de dégâts. C'est pas beaucoup, hein. Je suis censé la démolir complètement, et ben là c'est pas gagné. Non, j'ai fait que 20%. Alors, ce qui est intéressant aussi, mais qui est pas forcément réaliste, c'est que l'on peut toucher le sol en fait sans forcément se crasher directement. On prend énormément de dégâts, bien sûr, mais on peut quand même le faire. Je vais lancer des missions, mais il se passe rien du tout. Pas des roquettes. Alors, j'ai pas vu de jauge en revanche de d'essence. On a fait combien? On a fait 30%. 31. Il me reste pas beaucoup de roquettes. Voilà, 38%. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'il nous montre le bas de la structure, comme s'il y avait quelque chose à attaquer dans cette zone là. Mais je vois rien du tout. Bon bah si, ça leur reste ça, 42%. On va continuer, on va envoyer ce qu'on a. Et oui, on est quasiment plus attaqué, je pense qu'on a détruit toutes les défenses. Alors là, on est à 50%. Alors les nuages volumétriques, c'est assez cool. Par contre, mince. Je suis censé attaquer quoi là? Ah, il y a des avions, d'accord. Donc on a détruit la structure entièrement. Alors c'est là où ça va être compliqué. Ouais, ils sont en train de nous chercher. Waouh, waouh, waouh! On se fait mais complètement attaquer. Et il me reste plus que 6 missiles. Oh, regardez tout ce qu'il y a! Le bâtiment est complètement chargé. Il me reste plus qu'un missile. Aïe, j'ai repris un coup. On va essayer de s'éloigner un peu plus. Et je vais changer de vue. On va se mettre avec cette vue là qui sera beaucoup plus... Alors j'ai surchauffé. J'ai encore surchauffé, on va changer de vue. Oh là là là, ce que j'ai pris. Ce que j'ai pris dans la tronche. Alors on va revenir. J'ai 97%, donc c'est à dire qu'il est quasiment fini. Allez, on va lui faire son coup de grâce. Allez, c'est fini. Il est mort. Et du coup, on a remporté la mission. Great job, Captain. Mission completed. Roger. Alors je pense que vu le temps de mission qu'on a mis, on a mis 9 minutes, on a un rang... Ah, premier lieutenant. Je sais pas si premier lieutenant c'est mieux que second lieutenant, mais je pense que c'est quand même mieux le premier lieutenant, ouais. Donc ça veut dire que le score était plutôt correct.
Allez, détruire la base... enfin, la... This is the Endeavor. Oula! Can you read? Over. We have been spotted by an Avalon patrol. Looks like they're passing the valley 120 miles to the southeast and heading for their base. Intercept the patrol and destroy the base. Over. Oh là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au secours, au secours! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon dieu! Attendez, faut que je fasse demi-tour là. Ok. Ok, ok. Donc je peux aller par là. Alors attendez, parce que je suis où? Je suis là. Je sais même pas où je dois aller en fait. Hein, donc je vais revenir par là parce que je me suis bloqué. Est-ce que ça va être un cul-de-sac? Oh, les collisions, par contre, c'est pas ça du tout. Oh, le jeu, il a pris 10 ans dans la tronche, là. On est où, là? On est ici. Ok, on va faire un tour. Ah, ça me rappelle vraiment la mission de Ace Combat 2 avec, quand on est dans le ravin, là. Il y en a aussi des missions comme ça dans le 3. Et même dans le 4. Ouais, il faut aller là, ok. De toute façon, ne pas faire la bêtise comme tout à l'heure. Ok, bon, il faut faire le tour. Ah, ça fait penser à un jeu auquel vous avez... j'ai jamais fait de test sur PS2. Je vous dis pas le jeu en question, parce que j'aime bien garder la surprise. Allez, il est là. Il est là, on va pouvoir aller chercher. J'imagine qu'il faut que je me rapproche le plus possible. J'ai quasiment plus de vie, hein. Je monte un peu la cadence. Voilà, j'augmente la cadence. On va le prendre par là cette fois-ci. Ah bon, on s'est trompé de sens. Et comme on s'est trompé de sens, je vais deviner ce qui va se passer. On va mourir. Ouf, le choc sur la... sur la carrosserie. Pas facile cette mission. Il est ouf. Ouais, dès le début j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas si je peux recommencer la partie ou si c'est game over du direct. Parce que si c'est tiré d'un jeu d'arcade, je sens venir le game over plutôt rapidement. Aïe, la flèche est pas très précise. J'augmente un peu mon régime moteur. Et on va essayer de se rapprocher de lui. Ah mais là par exemple, vous voyez, les collisions, c'est vraiment pas ça. Là il me dit d'aller là, on sait pas où il faut aller. Enfin, c'est un peu bidon quand même comme... comme GPS. Il me dit d'aller là, maintenant il me dit d'aller là. Je comprends pas trop le délire là. Ouais, là par contre les collisions ils ont été... ils ont certes très gentils parce qu'on peut se taper plusieurs fois le mur, vous voyez je suis pas mort spécialement, enfin même si je vais bientôt mourir. Mais c'est pas possible de toucher le mur alors qu'on est quasiment à... je sais pas, à 20 mètres d'écart par rapport au mur. Il est là. Je vais augmenter mon régime moteur. Continuer, oui, non. Bah oui, on va continuer. J'ai mis non, je parie. J'ai mis non, à tous les coups, j'ai mis non. Bon, bah c'est pas grave. Bah écoutez, c'était Wing Arms, donc bon, bah c'est pas grave, hein, vous aurez vu après que ça ressemble. Donc un jeu d'avion, bah ma foi, plutôt sympa, hein. On va faire start quand même, parce que là c'est un peu long.
Plutôt sympa, bon, qui a vraiment vraiment vieilli, mais je trouve le maniement plutôt correct, les graphismes aussi, surtout pour rapport à l'année, les sons sont plutôt bien aussi. Les collisions en revanche, c'est pas ça du tout, alors vraiment pas, mais ça va être un petit jeu assez sympa si vous aimez un peu les combats axés Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc la vidéo aura été courte, mais je pense que j'ai pas tout dit, mais le principal en tout cas. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo, ciao tout le monde!